vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Voilà, en fait, je voulais vous faire une petite vidéo, tout simplement une... Ah, je n'arrête pas de tomber. Tout simplement une vidéo pour mon avis par rapport à un an passé sur France 2. Notre enquête donc sur le renouveau des enseignes low cost. Quand ils sont venus chez moi, par rapport au le fait que je suis addict action. Tout d'abord, j'ai reçu un mail me demandant si j'étais d'accord pour... passer à la télévision, j'étais d'accord pour un reportage. Donc on s'est contacté 3-4 fois, je lui ai dit oui bien sûr. Étant une addict action, je passe ma vie chez Action, Action, Réaction. Ma mère m'avait fait une robe Action, enfin bref, tout le truc quoi. Et puis arrive l'émission, je suis désolée si ça vous ennuie, c'est parce que je suis asthmatique. Et puis arrive l'émission et tout se passe bien. Franchement, ils arrivent, génial et tout. Ils nous suivent, on prend le bus, on va à Action à côté de chez moi. Moi, effectivement, j'en fais un peu une caisse, un peu trop quand je dis ouais, super, je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Ouais. Trop contente, franchement. Allez, go. Ouais, super, je suis contente. Ça fait un peu trop, je trouve, mais bon, j'ai un peu exagéré. Et puis après, j'ai fait abstraction de la caméra totale. J'ai plus pensé du tout à la caméra. Mais au début, je pensais, quand on y pense, on voit bien au début. Ah, oh, mais oui, mais j'aime ça, oui, j'aime ça. 1,45€, 1,79€. Et moi, à ce prix-là, je n'hésite pas. Voilà. Ah, mais moi, je suis folle dans les magasins comme ça. Je tous mes merveilles. Quand j'étais dans le magasin, non, j'étais moi-même, franchement. Et puis, j'ai pas exagéré, quoi. Ils m'ont rien demandé d'ailleurs. Et puis donc, on va au magasin. Je suis vraiment emballée. Il faut savoir que tout ce que j'ai acheté, je l'ai, je le garde. Notamment le... Comment dire, oh, j'ai du make-up vert. Vous savez, le boudin de porte. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver mes mots. Le boudin de porte et que je mets maintenant, c'était un lion. Oh non, il est trop beau. On dirait un lion. Ce serait pas... Oh non, regarde. Oh non, je prends celui-là. Eh bien, celui que vous voyez, certainement vous allez voir. Eh bien, ce boudin de porte, tout simplement, je l'utilise tout le temps et je le mets sous la fenêtre pour que Ivy ne passe pas par en dessous. Voilà, quand j'entrebâille la fenêtre. J'ai acheté aussi la plante. La plante, elle est chez moi. Vous la voyez souvent quand je vais dans la cuisine, il y a une grande plante verte. Je vais vous la montrer. Hein. Elle est là. Voilà, ça aussi c'est Action, Jésus c'est Action, tout ça c'est Action, voilà, donc je ne perds rien de ce que j'ai acheté. Voilà, c'était dans le magasin Action, c'était super, et j'ai pas réfléchi, j'étais trop contente, j'en ai eu pour je sais pas combien, 40€, 45€ je crois chez Action, et après on part et on va chez Normal. Normal c'est un magasin pas cher du tout de beauté, je vous le conseille à 1000%, il est vraiment pas cher, vous trouvez des produits de beauté, des palettes à 10€ de marque, genre Make Up Revolution, voilà, plutôt que de les payer... de les commander ou de les acheter ailleurs. Voilà, vous pouvez les trouver là-bas chez Normal. Et franchement, c'est très bien. Vous trouvez tous les produits de beauté, produits d'entretien. Vous trouvez pas mal de choses. Pour pas cher du tout. On n'a pas envie d'aller dans les magasins traditionnels dans la mesure où c'est 3 fois plus cher. Donc, il vaut mieux payer dans un magasin discount. Et puis, au moins, on a de la même qualité pour vraiment pas cher, quoi. Donc, on va chez Normal. Moi, je craque. Je m'achète 2 palettes parce qu'il y avait une palette qui s'appelait Sybille. Malheureusement, je ne peux plus m'en servir parce qu'elle est plus bonne. Elle a 1 an de... On ne peut plus s'en servir. Mais honnêtement, voilà, j'étais pas déçue du tout. Donc j'en ai eu en tout pour 100€, quoi, à peu près. Avec Normal et Action, j'en ai eu pour 100€. Cette fois-ci, c'est bon. Hein. Ah ouais, là, c'est je sais où j'en suis dans mes comptes, tout va bien. Donc on rentre chez moi. Bien sûr, ma copine, elle est obligée de partir, c'était prévu, elle part. Et moi, ils me filment chez moi, ils voulaient que je sois toute seule avec eux. Donc tout le matos et tout, je ne vous dis pas, je n'ai pas trop filmé. Si juste une petite vidéo où je fais coucou et qu'ils font des tirs à la langue et tout, c'est trop rigolo. Et voilà l'équipe de tournage, yeah. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Elena parce que je l'adore.
J'ai toujours des contacts avec Elena, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, la journaliste. Moins avec le caméraman, parce que voilà, mais en tout cas, on s'entendait très très bien. Et puis, du coup, il filme, alors il commence à filmer chez moi, il commence à filmer. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, vous allez rigoler. Comme c'est petit chez moi, ils ont énormément de matos. Et moi, il fallait que je cache des choses aussi, parce que comme j'achetais plein de trucs, il fallait que je cache des choses. Donc, on avait trouvé le moyen, c'était dans la salle de bain, la baignoire. Fermer le rideau, personne ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'était trop marrant. Et je disais, ah bah d'accord, on a eu la même idée tous les deux. Oui, on a tous foutu là-dedans, on était tous les trois à mettre les trucs là-dedans. Bref. Et puis, voilà, il commence à filmer, il commence à m'interviewer, à parler plein de choses. T'as toutes les palettes que je t'ai dit, regarde, que je viens d'acheter. Ça, 1 euro. Mais franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Les épices, bien sûr. J'en rachète régulièrement parce qu'elles sont très bonnes. Et là aussi, ça aussi, la lanterne. Quand je montre quelque chose, je suis tellement contente de l'avoir acheté que je veux le montrer aux autres pour qu'éventuellement ils l'achètent aussi. Parce que c'est un bon plan pour eux et qu'ils en profitent, quoi. Bon, faut savoir, ça a duré longtemps, hein. Ça a duré une journée. Hein. Ils sont rentrés même tard, hein, je crois, vers 8, 7h30, quelque chose comme ça. Donc, arrive le moment où il faut que je montre les choses que j'achète. Et en fait, l'émission, elle avait un but précis, mais ça, je ne savais pas. Mais tant mieux pour moi. Et en fait, il s'avère que là, vous voyez, je montre des petits trucs que j'ai dans ma chambre, que j'achète, qui sont inutiles, que je ne me sers pas, mais en réalité, je m'en servais. Mais n'est pas beaucoup, quoi. Je m'en suis servi une fois ou deux fois. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Du coup, peut-être parce qu'il ne faut pas que j'en parle, j'en sais rien, mais j'arrive pas à parler. Et du coup, ben voilà, je leur montre tout ça. Après, je montre le fait que... Ouais, regardez, ça vous gratte le nez, ou je tousse, ou c'est un truc de dingue. Après, je montre comment je fais mes vidéos, comment je filme. Coucou mes chouchous, mes deux, ah chouchou, bébé. Doudou. Comment ça se passe? Donc il parle de ma vidéo, j'ai gagné presque 250 abonnés il y a un an grâce à ça, parce que voilà, alors et j'ai connu Chris, mon monteur, grâce à cette émission que je remercie infiniment, parce que c'est grâce à Chris. Chris, il m'a connu sur France 2 et de ce jour-là, voilà, ma vie, elle a changé par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à plein de choses, beaucoup de choses ont changé. Le fait que il me fait les montages, il me fait tout ça. Moi, avant, c'était moi qui faisais les montages. Je mettais 3 jours pour faire un montage. Là, il va très, très vite à faire les montages et c'est vraiment super. Donc, je l'ai connu grâce à ça, l'émission, j'ai connu Chris. En plus de ça, grâce à l'émission, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce qu'après, quand moi, j'ai montré les choses, quand il y a eu tout ça de chez moi, ils ont fait un reportage sur les dessous, l'envers du décor d'Action et tout ça. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je vous cache pas, énormément, parce que je me suis posé des tas de questions. Waouh, attends, c'est quand même fort, c'est quand même dur, quoi, de vivre ça. Comment elles vivent au quotidien à Action, c'est loin d'être facile. Hein. C'est pas la vie toute rose comme vous pensez, les employés d'Action. Hein. Bref, et après, ils ont fait un autre discount, c'était encore pire, il y avait du burn-out, tout ça. Du coup, après... On revient chez moi, enfin on revient, c'est-à-dire qu'on avait filmé une journée, mais eux ils ont fait des montages. Et je dis cette fameuse boîte à crêpes. Eh ben en fait c'est ma fameuse boîte à crêpes, je l'ai trouvée super, je me suis dit c'est génial ça. Et après j'ai réalisé je fais pas de crêpes. Mais en fait c'était de l'humour. Bien sûr que je m'en servais pour mettre mes crêpes que j'achète en magasin là. Mais j'ai dit non je fais pas de crêpes. Ah ben non. Je fais pas de crêpes. Ah ben non, je fais pas de gâteaux. Mais c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, la boîte, j'en m'en suis servi. Puis après, je l'ai donnée à mon ex-mari parce qu'il s'en sert, quoi. Mais c'est rien n'est perdu, rien n'est perdu. Et en fait, le truc, c'est que ils ont fait après un reportage, ils ont montré à un site anti-gaspi. Ils ont été chez les gens, la personne, enfin dans la société anti-gaspi que je remercie d'ailleurs. Et ils ont dit oui, mais Sybille, c'est ce qu'elle fait, c'est du gaspillage. Et ce mot gaspillage. Et rentrer dans ma tête, mais un truc de fou. Hein. Moi, j'étais addict Action, mais j'étais aussi achat compulsif. J'étais achat compulsif. Et ben, ce mot, il m'est rentré dans la tête. Il m'est tellement rentré dans la tête. D'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez, il va peut-être vous montrer une photo ou la vidéo. Le fait qu'elle accumule autant d'objets et qu'elle ne les utilise pas derrière, c'est un nom, ça s'appelle le gaspillage. Que quand elle a dit gaspillage, ça m'a... Sybille,
qui fait, c'est du gaspillage. Eh bien, j'ai réfléchi. Et il faut savoir que depuis un an, je ne vais pratiquement plus chez Action, ou très peu. Il y a aussi le confinement qui a aidé pour ça. Hein. Mais je veux dire, je ne vais très peu chez Action. Je n'ai plus envie d'acheter bêtement les choses. Tout ce que j'avais acheté, les cactus, les machins, je les ai rangés. Ça ne veut pas dire que je ne les utilise pas, je les ai rangés. Et je les utilise, enfin, je ne les prends pas pour le moment, mais je vais les remettre quand j'aurai envie. Parce que personne ne me dira ce que je veux faire, et je fais ce que j'ai envie. Et le truc, c'est que ça m'a fait réfléchir. Et j'ai envie d'acheter du seconde main. Je n'achète plus bêtement, je réfléchis à ce que j'achète. Tout est calculé, voilà, tout est en fonction de... J'ai encore un autre truc à régler au niveau du gaspillage, mais c'est pas du tout les petites babioles, et je vais m'en occuper, je vais le gérer moi-même, comme je sais gérer. Et franchement, je suis trop contente d'avoir su gérer, depuis un an, voilà, j'ai changé, je suis plus comme avant, je n'achète plus bêtement. Bien sûr, j'achète à Amazon, hein. Ça, j'aime bien acheter à Amazon, voilà, mais bon, bah, parce qu'on a besoin des choses, mais je veux dire, j'achète pas des trucs, j'ai jamais encore acheté à AliExpress, pourtant ça me tente, parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont pas chers du tout, parce qu'il faut savoir aussi que je comprends ceux qui achètent Discount, mais je le comprends, mais moi, c'est plus ma façon de voir les choses, d'acheter toutes les semaines, mais je comprends, parce que quand on voit un prix, un truc qui coûte 5 euros et qu'à l'autre qui va coûter 20 euros, ben on a envie plus d'acheter celui à 5 euros, qui est pratiquement la même qualité, qui va durer le même temps. Donc voilà, pour vous dire, j'ai changé. C'est vrai que vous verrez de moins en moins de haul actions. Si vous voyez des haul actions, ce sera des haul actions essentielles. Ouais. Sauf si vraiment je peux craquer, on peut craquer, ce qui est normal, hein, je peux craquer sur quelque chose, mais je n'arrive plus à craquer pour le moment. Je n'arrive plus à craquer, je n'arrive pas à avoir de désir. Mon fils m'a dit, qu'est-ce que tu veux, maman, pour ton anniversaire, puisque c'est dans 5 jours, 6 jours. Je lui ai dit, parce qu'on est le 13 avril aujourd'hui, je lui ai dit, ce que je veux, c'est tout simplement un fauteuil. Voilà, un fauteuil. J'ai vu un beau fauteuil vert avec des feuillages à ma Maison du Monde. Il coûte 200 euros. En plus, il fait lit pour une personne. Il est impeccable. Franchement, il est très beau et il me plaît. Donc, mon fils va m'offrir ça. Mais je vais participer, hein, bien sûr. Hein. C'est normal. Hein. Je ne vais pas lui laisser payer tout. Hein. Et du coup, voilà, j'achète des choses réfléchies. Avant, j'achetais comme ça. Et je remercie sincèrement France 2, l'émission, Elena, même si Elena me disait, mais Sybille, fais ce que tu veux, si tu veux. Non, je lui dis, j'ai changé, je vois les choses différemment. Et j'ai fait une émission de télé, et vous verrez bien si elle passe ou si elle passe pas, je ne sais pas. On verra bien. Franchement, on verra. Voilà, et sur ce, je remercie mes nouveaux abonnés, qui sont nombreux. Je vous remercie infiniment, mais je vous remercie beaucoup pour tout. Ça me fait super plaisir. Et puis, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis plein de bonnes choses. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour mon ressenti un an après et vous expliquer que j'avais changé, beaucoup, beaucoup changé. Je deviens éco-responsable, je fais très attention. Là aussi, vous voyez, je ne vais plus prendre du papier toilette, je vais prendre une douchette. Voilà, c'est des choses, mais si j'ai envie, attention, si un jour vous me voyez faire un haul de n'importe quoi, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, si j'ai envie, je le fais, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Voilà, pour l'instant, j'ai changé, ça ne veut pas dire que je changerai dans le temps, que ça va durer longtemps, je n'en sais rien, je ne peux pas savoir, je ne peux pas prédire l'avenir. Voilà, même si je sais lire dans les cartes, mais que pour moi, voilà. Mais je vous embrasse de tout mon cœur, je vous fais plein de bisous, je vous dis I love you, je vous dis je t'aime, ciao. Et merci à mes nouveaux abonnés. Bye bye, ciao. Ciao. Abonne-toi et active la cloche.